so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Bonjour à toutes et à tous, c'est XRO et on se retrouve sur consolefun.fr pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous présente FIFA 15 sur PlayStation 4 en compagnie de Florentine. Salut Flo. Bonjour. Très heureux de te revoir après le magnifique versus qu'on s'est fait sur FIFA 14 sur PlayStation 4. Oui, très belle branlée que tu m'as mis. Ils sont tous magnifiques, même avec Titi. Oui, oui. C'était magnifique, très très beau match. Bon alors on va s'attaquer directement au béaba comme ça ce sera fait. Développé et édité par EA Sport, sorti officiel 26 septembre 2014 et Peggy nous le déconseille. Attention, à 3 ans. Oh, 3 ans, c'est ouf. Pas de test encore prévu pour le jeu. Donc on va brièvement vous parler du menu avant de lancer un petit match, mais on va être très bref. Le menu, tu nous disais style Windows 8 encore, ouais, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé par rapport au 14. Ouais. C'est plus ou moins pareil. La nouveauté du jeu, apparemment, c'est voilà, la journée en direct. Donc, qui nous permet, comme on peut le voir, cette nouveauté vous propose l'actualité, les statistiques, les mises à jour, le football réel. Ça a l'air génial. Ça a l'air ouf. À savoir que le jeu est filé pour ceux qui l'ont réservé avec le guide qui comporte 161 pages et un code de nombreux DLC, de célébrations et maillots, enfin, et j'en passe. Mais après, on parlera de la véritable nouveauté du jeu, notamment, comme tu m'as dit, les stades. Les 20 stades anglais, ouais, qui ont été vraiment fait modélisés à l'identique. Et après, surtout après les traces et tout, mais on va en parler plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose ? Enfin, moi, je suis à droite déjà, je vois. Ah non, même pas, non, je suis la manette bleue. Ok, c'est cool. Allez, vas-y, feu. Tu prends un United, je suppose ? Oui, bien entendu, comme d'habitude, comme tout joueur qui se respecte. Ouais. Enfin, désolé. Ta gueule. Je ne te ferai pas de cadeau. Oui, oui. En attendant, d'accord ? T'as vu l'ancien match ? Hein ? Okay. Ouais, on n'en parlera pas, on parle justement de celui-ci. On parlera de celui-ci uniquement. Je vais juste modifier la manette comme je l'entends. Tac, tac, tac. Configuration temporaire. Oui. Ça va, s'il te plaît. Je suis relou, je le conçois, malheureusement. Vas-y, allez, gestion d'équipe. C'est toi le relou maintenant. C'est nécessaire. Non, c'est vrai que là, j'ai pas mal de choses à faire. Putain, la nouvelle compo de Manchester qui est à noter quand même. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Ouais. Et comme on n'a pas activé les... Merde, tu sais que... Ouais, on s'est mis un invité en fait, comme on n'est pas connecté en réseau. J'ai encore Hernandez ou des trucs comme ça. Hernandez ? Ouais, regarde, tu vois. Comme il est prêté, il me le laisse. Le prêt, ça garde. Donc du coup, il n'est pas encore revenu. Enfin bon, bref, je vais jouer avec l'équipe de base. Bon, ouais, pour faire jouer uniquement les nouveaux joueurs. Merde, et oui. Et donc du coup, merde. L'ancienne mise à jour ne me met pas Falcao, figure-toi, tant qu'on n'active pas les parties. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Ouais, tant mieux pour toi. C'est ça. Ouais, c'est pas grave, allez, joue tel quel. On est surtout là pour montrer le match. Attends. Quoi ? Il pleut. Il pleut ? Non ? Ah oui, si. Mais nous en été, nous met dégagé. C'est dégagé, effectivement. Allez, vas-y. Pelouse, tout ça. Parfait. Magnifique. Let's go. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire à partir de maintenant ? Oui, le gros truc à noter, qu'est-ce que c'est ? Les gardiens. Les gardiens, très forts, c'est... Franchement, c'est vraiment dur de marquer des buts. C'est paye ton but, tout simplement. Surtout les enroulés qu'on mettait facilement sur le 14, ouais. Vraiment pas facile à mettre. Genre, tu as marqué un petit peu, ouais. Oui, oui, non, même pas. Et tu vois, voilà. Le jeu nous le fait démentir. Non, j'attrape la balle, tu ne marqueras pas. Tu m'as pas maintenant. Bon, allez, attaquons. Oui, on voulait parler des traces, donc les nouveautés sur la Play 3, apparemment, comme tu as pu non, le tester, ça n'y est pas. Du tout. Ce qui fait que. Du moins sur la démo après. Ouais, donc en fait, quand les joueurs tombent, ils ont la trace de la terre sur les maillots et le terrain est dégradé en fonction des tacles. Enfin voilà, ça va rester pendant tout le long du match. C'est un bon point positif quand même. Niveau graphisme, c'est plutôt sympa à noter. Ouais, carrément, ouais, ça donne du peps. Ça donne une petite pointe de nouveauté. Et donc, du coup, voilà, et en plus, voilà, c'est ces fameux gardiens. Donc, de toute façon, on va le voir. Hein. On va essayer de marquer. Et moi j'ai une nouvelle technique de jeu, je tire que à partir de 30 mètres. En dessous, pour moi, le goal ne va forcément l'arrêter. Ouais, vraiment, les frappes de loin sont mieux faites. Ouais. C'est. Ah ouais.
il y a des lampardes magnifiques. Ah, ouais. Et d'ailleurs, vu que la lamparde que je t'avais mise, donc je rappelle la lamparde, c'est donc Frank Lampard qui est le titulaire de cette magnifique frappe qui lui est concédée si bien. Et comme Steven Gerrard ou encore Xabi Alonso. Par exemple, c'est la barre transversale avec la balle rentrante puis ressortant de la. C'est surtout les tirs de 30 mètres. Et qu'est-ce qu'on a vu comme nouveauté ? La caméra. La caméra qui nous montrait bien que la balle était dans le but. Ouais. Oui, comme à la Coupe du Monde, la caméra sur la ligne. Là. Et ça nous montre bel et bien. Ouais, c'est super bien. Et là, ça, normalement, là, cet endroit, je tire. Ouais. Ça, je t'ai laissé tout à l'heure au match de. Ah, en fait, tu m'avais fait croire que je pouvais te battre, en fait. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. Et peut-être que ça va être la revanche par. Herrera, putain! Ça va être la revanche par rapport au Versus, tu sais. Tu m'avais battu combien? 2-1, il me semble, sur le Versus? Je ne sais plus, je te mets tellement à la tolée. Ouais, non, je m'en rappelle pas du tout. Désolé. Désolé. On a plus dit 5-0, mais peut-être que. Oh! Voilà. Zlatan. Est-ce qu'il va avoir le temps d'aller mettre son petit coup de pied dans le poteau? Est-ce qu'il va le faire? Voilà! Oui. Ça, c'est la nouveauté, ça. Voilà, il y a quelques célébrations spéciales à certains joueurs. Oui. J'avais marqué avec Messi pendant la démo, il avait fait du moonwalk, assez ouais, nouveau. Avec des crampons, c'est sympa. Avec des crampons en plus, c'est très bien. On sait très bien que les crampons sur l'herbe, ça glisse. Ça va très très bien. C'est. En effet. Mais là, Van Persie qui va tenter. En fait, j'ai juste besoin d'aller à la ligne supérieure, de tenter d'ici. Oh. Et merde! En fait, moi voilà, je tire plus que d'ici parce que j'arrive pas à les mettre plus près. En fait, tout à l'heure, j'avais pas Sirigu dans les buts. T'avais qui? C'était contre qui que j'allais jouer? C'était. Ah, t'avais pris le Real là. Effectivement. Donc oui, voilà, je peux au moins m'en vanter, j'avais réussi à battre Florentine 4-2 avec United, mais là... Il savait qu'il y avait juste 1-0, après j'ai peut-être oublié quelques trucs. J'ai juste noté la lamparde après les autres. Ouais, j'ai oublié quelques actions. Bordel, non mais ça se sent... Oh ok, merci, Johnny Evans à la relance. Quelque non, ok. Cœur. Herrera, merci, non, même pas. En plus, je te laisse un boulevard pour que t'essaies ouais, de marquer. Ouais, mais là, c'est n'importe quoi. Je suis un peu fatigué, je me dis difficile en ce moment. Ah, c'est vrai, tu travailles trop. Non. Non, mais bah faut pas déconner non. Thiago. Ok, le but de chèvre. C'est un tir de merde, ma parole. Non mais après, on va dire que graphiquement ça a pas trop bougé. Ouais, bon, après c'est sur PS4 donc là ouais, c'est voilà, sûr ouais, que. Enfin toi l'ayant fait sur Play 3, tu vois qu'il y a un écart graphique ou pas? Ah oui, par rapport à la Play 3. Voilà, c'est ce genre de frappe là qui. Ouais, les croisés normalement tu les mets. Putain. Ouais, non, mais les croisés enroulés. Les croisés enroulés, ils passent tout le temps dans la lucarne opposée. Là... Si tu remarques bien, de toute façon, à chaque fois qu'on dit dans les autres FIFA qu'on joue au 14, ça dans le 13 tu le mettais. On joue au 13, ça dans le 12 tu le mettais. Ça. Bon, après, il nous faut être en adaptation. Hein. C'est la ouais. Fois après, au niveau de la. Après, la rapidité n'a pas trop changé, je trouve. Non, non, après, je trouve que c'est mieux fait. Tiens, dans les joueurs devoir te passer de pastorer. Oh putain. Ouais, ah oui, nouveauté, regarde. Ferron. Reste sur Pastore. En fait, tu pouvais faire triangle en fait, et on te conseille un joueur à la place. C'est une nouveauté. Ah remplacement ouais suggéré, tu le vois écrit en bas. Cabaye, pas mal. Tu vois, et à la place, on te propose des joueurs. Bon, là, tu as fait ah le changement. Ouais, cool. Ouais, donc maintenant, c'est pour ceux qui ont un petit peu du mal avec la gestion d'équipe. Les fiottes. Les fiottes. C'est. Voilà, ça te permet maintenant de. Câble run, oui. Tiens, je te la rends. Ça te permet du coup, en gros, de faire un changement assez équitable, hein, sans avoir trop de. Ah, c'est bien, ouais. Un gros bémol quoi à la place du joueur que tu veux remplacer. Après, il y a si. Quelques trucs aussi, c'est les ramasseurs de balles, on les voit vachement sur les côtés. Maintenant tu les vois? Ils sont plus présentés, ouais. Je prends la balle! Boum! Merde. Ça normalement, là, ça dans le 15 tu le mets. Ouais, non, ça marchait une fois tout à l'heure, mais tu peux oublier maintenant. D'accord, ok. Je vais prendre cher peut-être. Non, c'est vrai que depuis quand même que. Pourquoi tu sors ça des fois, voilà, le goal alors qu'on le dirige pas va sortir. Après, d'après ce que j'ai lu, grâce à ça fonctionne du caractère du goal. Bouquin, ce que j'ai lu sur le livre aussi, ils sont vachement plus intelligents. Oh, c'est ça que je veux mettre. Putain. Non, mais c'est vrai que maintenant, avoue que. Voilà. Ouais, là, ça va, il me faut juste un quart du terrain. Ouais, mais bon, tu fais que des fautes. Mais non, mais je fais pas des fautes. Non, mais attends, tu m'as pris pour. Hein. Comment s'appelle-t-il déjà? Celui que l'on surnomme couramment Dan dans nos vidéos. Dan Skate. C'est un très fervent joueur de FIFA que vous avez dû sûrement voir dans d'autres de mes vidéos et qui ne connaît que la touche carrée. Je fais que des tacles. C'est très beau. Ok, David Luiz. Footballeur artistique.
Tu m'avais pas parlé de David Luiz, qu'ils avaient eu droit en France qu'à un changement ou je sais pas quoi comparé à d'autres clubs là. Non, bah c'est les restrictions. Des restrictions budgétaires. Exactement. Donc bah, Manchester City a eu les mêmes que le PSG aussi. Ah, je vais être en hors-jeu. Ah non, même pas. Si, effectivement. Ah, si, regarde, quand tu regardes, en fait, normalement. Là, il te regarde, il fait non, toi, tu ne passeras pas. You should not pass, motherfucker. Vous ne passerez pas. You should not pass. Hop. Mais après, sinon, niveau gameplay, ça n'a pas plus changé que ça. Enfin, ouais, s'il non, dépasse en profondeur, quand même, beaucoup plus pointu, quand même. Ça, la balle trouve souvent son destinataire. Mais là, le jeu va vous dire, en gros, en une phrase, c'est paye ton but. T'es content quand tu vas marquer, quoi, dans ce jeu. N'aurais-tu pas chié une retournée acrobatique? Oui, mais c'est Verratti, on peut pas lui en vouloir, il n'a pas l'habitude de faire tout. il n'a pas d'habitude, Verratti, un grand pivot, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Qui ne marque pas. Ouais, non, il a encore jamais marqué en Ligue 1, ce petit. En même temps, il est jeune, il a le temps. T'es Lucas! Il est young, comme Ashley. C'est supporter de Manchester qui dit ça, forcément. Bah oui, normal. Mais bon, je ne le fais pas jouer, il n'est même plus titulaire. De toute façon, depuis Kamata, j'avais vu une magnifique image sur Facebook. Oh, c'était Moyes, tu sais, à un moment qui. Parce que Mata est arrivé quand c'était David Moyes, tu sais. Ouais, ouais. Qui était à la tête de Manchester, pauvre de Manchester. Et il y avait une image, il regardait. Il avait Mata sous. Enfin, il le prenait à l'épaule, il montrait quelqu'un du doigt. Et il avait écrit hey, regarde, c'est Young là-bas, tu prends sa place. Ça, c'est bâtard. Et depuis, Young, on ne le voit plus sur le terrain. C'est ça. Hey Luke, it's actually Young. You take him's post. Ok, vas-y. Ok. C'est pas mal. You're a dick. You're a dick. Bonne dédicace à Tomska. Salut, me super guy. Putain. Ça, tu vois, regarde, voilà. Regarde, c'est les youtubeurs qui font. Des... Putain. Eh ouais. Ils font des milliards de vidéos avec des vidéos de 3 fois rien. Et puis en même temps, c'est du génie. C'est du génie. Ah là là, une vidéo de 5 minutes faite avec des bâtons et qui a plusieurs millions de vues. C'est quoi? Ben c'est Tomska quoi, c'est les ASDF movies, c'est ce que tu regardes. De 5 minutes t'as dit? Ouais, enfin il faut entre 5 et 10 minutes quoi généralement. Ah ouais, ouais. Hey, je vais peut-être la prendre, non? Tu veux pas me la laisser juste un peu? Non, 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 ça va. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie non plus de voir. Tu veux pas qu'on rigole un peu? Non, j'ai déjà fait ça hier, ça va. C'est bon, pas envie. Pas aujourd'hui. On peut faire ça. Penalty là! Non, 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 attends. C'est sérieux? Ah, clairement, moi j'ai fait faute. Et oui. Lucas le violent on l'appelle. Et Zlatan. Il a pas un peu le casque quand même de parler de lui à la troisième personne? Il fait pas tout le temps. Ah, c'est juste un effet de mode. Voilà, c'était... Pour moi, se sentir seul. Non, mais il y a pas hors-jeu, regarde, le gars en haut à gauche. Bien sûr. Le 17 là. On va voir le ralenti. D'accord. Si il est pas content. D'accord, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh bordel. Hors-jeu. Voilà. Ouais, non, mais c'est... Voilà quoi. Et puisque c'est ça, c'est la temps mis. A priori, c'est la mi-temps, effectivement. A priori, it is the halftime with ringing. T'es une petite cochonne, t'as. Une cochonne? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, Di Maria. Ça y est, je le vois enfin. Ouais. Tu aimais dire que Di Maria aurait Mata. Dû jouer au PSG. Mata. Mais non. Bordel. Mais là, vous êtes en train de me dire, mais ce mec est fou, quoi. En ayant l'expérience de FIFA 14, tu peux pas mettre des buts de cet endroit. C'est ça. Détrompez-vous, ouais. Florentine peut témoigner. On peut. Ouais, non, franchement, par rapport à celui qui m'a dit tout à l'heure... On peut bel et bien. En plus, c'était limite un film, quoi, tu sais. D'ici, je peux mettre une lamparde. Boum, boum, lamparde. On va rentrer, de quoi. Ah là là. De quoi mettre le seum. 41. Non. Tu ne veux pas relever ça. Moi, je préfère pas. Je ne préfère pas, j'en ai marre. C'est mieux pour tout le monde. Putain, mais je tricote, là. Je suis un croqueur. Je suis le plus gros croqueur de France. Un croqueur de quoi? Tu ne veux pas le savoir non plus. Tu ne dois pas le savoir. Attention! Allez, mon petit Serge! Ouais, bien sûr, Mata quoi, mais depuis quand tu le bouscules comme ça? Ça, Mata il est pas physique. Ah oui? Et Zlatan il est physique peut-être? Oh putain! Il a de ça! C'est un croqueur! Croqueur de noix. De noix? C'est pas un peu. Il préférerait pas plutôt les fruits du chêne? Putain. Oh putain! Oh le porc! Oh le porc! Oh, le poor cast. Oh, et Rooney, il est pas physique peut-être, hein. Non. Bah, David Luiz quand même, il est plutôt gaillard. Yeah. Ok, bien sûr. Serge Aurier, pareil. Il est enrayé. Oh putain. Non mais. Ça y est, on l'a perdu. Ça y est. Il va faire de la merde. Hop. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh. Arrête, Lucas. Arrête. Non. Oh, j'ai cru qu'il allait encore humilier tout le monde. Mais non, mais tu fais ça. Quel enculé! C'est pas hors jeu toi, dis donc? Non, je ne suis pas hors jeu. Batave. Viens, Thiago, t'es présent toi, hein?
écrit. Il est Al le Bilal. Oh, qu'est-ce que c'est? Aïe. Putain, mais il fait passer toute mon équipe pour des babs tout fragiles, quoi. Oh le bâtard, je suis foutu. Oh, mais merde! Il était beau aussi rentré. Sirigu était sur la trajectoire. Sirigu était là, il a pas eu trop peur. Il est présent. Il est Al, official. Bon, allez, 1-0, ça va pas me suffire, moi. Je vais aller mettre un petit deuxième. C'est vrai qu'avec 1-0, nous sommes à la 63ème minute maintenant. Ce match tient toutes ses promesses. Oh putain! Il est épique. Et collégramme, voilà. Normalement, c'est Choupi qui fait ça. Dans aucune vidéo, on n'a pas fait cette blague. J'avoue. Dans aucune vidéo de FIFA, surtout en fait. Non! Je fais sortir un goal, non! Oh putain! Ah! Non, mais j'ai eu peur, quoi, tu vois. À un moment, je me suis dit, il va pas encore marquer, quoi. Non, il peut pas marquer. T'inquiète, ça va venir. Tu crois? J'espère. Tu veux dire comme ça? Non, comme ça. Tu vas me la rendre, oui. Tu vas me rendre la balle que j'avais marquée, merde. Donne-la-moi! Merci. Donne-moi la balle! Ah, faudrait que tu fasses un match contre Alawan Again. Oh putain, mais il va tirer lui. Tu sais qui est Alawan Again? Non. Lilian. Oh putain, oui. Ce serait un match assez. Collégramme. Ah, on l'a pas fait cette fois-ci. Oh là, on l'a pas dit, on est. On a dit qu'il y a 3 secondes. Bon, d'accord. On est encore dans le délire. T'es dans le déni, Denis. Tu vas courir, oui? Tiens, Cavani, je vais le dégager. Avec son super Abdal. J'ai pas pu partir. Ok. Bordel de merde. Allez, changement. C'est l'heure du changement. Allez, par contre aussi, pour la gestion d'équipe, là, il a été vachement changé. Ah oui, là, on le voit. On voit que les remplaçants sont en dessous. Certains disent que c'est mieux. Moi, je suis pas vraiment fan. Et Yann Uzay, qui est à 75 malgré les prouesses de ce joueur. Ouais, les joueurs ont pas eu vraiment... Les notes n'ont pas vraiment été changées. On disait que tu disais que les 20 stades avaient été refaits et tout, et je pensais quand même au niveau des visages que ça allait être amélioré quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal. Oui. Pas mal ouais, mais par exemple, tu vois Johnny Evans, qui ressemble à absolument rien dans FIFA, tout comme Adan Yanouzaï, n'ont pas changé. Yanouzaï, ils l'ont pas fait non plus. Il me semble que j'ai pas vu de différence. En tout cas, Evans, c'est sûr, il ne ressemble toujours à rien. Toujours pas à Evans, tout. Il ressemble toujours pas. Il ressemble à Johnny, n'importe quel Johnny, mais pas à Evans, quoi, tu vois. C'est plutôt pas mal. Oh Zlatan, il avait une bonne gueule déjà dans ceux d'avant ou pas? Oui, il avait la bonne. Bah oui, les joueurs. Y a que oui, les, oui, joueurs ouais, les gros joueurs, oui. Que les joueurs moyens, ça va. Et le PSG, ils se ressemblent tous ou pas? Ah ouais, c'est tous des bons joueurs. Enfin, du moins les titulaires. Est-ce que Ribéry, il est beau? Celui-là. Il est réaliste, oui, de le dire qu'il est beau. Ouais. Mais est-ce qu'il paraît peut-être plus beau dans le jeu que dans la vie réelle? Ah oui. Ah. Bah en même temps, tu peux difficilement faire pire. En fait, c'est Electronic Arts, tu sais, ils ont tellement eu pitié du joueur. Ils l'ont embelli. Ils l'ont embelli. On va lui mettre des yeux bleus. Ribéry, c'est le Lescott anglais, quoi. C'est ça. Putain, c'est ouf, quoi. Il y en a, les pauvres. Heureusement qu'ils ont le foot, quoi. Ouais, ils ont le pognon. Non. Remarque, putain. Ils ont le pognon. Ils peuvent avoir le pognon comme Ribéry, ne vouloir rien faire à leur visage. C'est lui qui ne veut pas se faire enlever sa marcasse. C'est vrai. C'est vrai. J'ai l'impression de perdre son honneur s'il l'a plus. Son honneur, il en a déjà plus. Oui, c'est sûr que... Putain, c'était quoi cette vidéo où est-ce qu'il faisait le con pendant un grand discours de l'entraîneur? Ouais, ouais. Je crois qu'il parlait en allemand. Mais là, quand ils ont gagné la Bundesliga l'an dernier, ouais. Et qu'il disait... Il se cachait derrière les joueurs et il disait de la merde. Pendant que Guardiola, il faisait son discours. Ah là là. Quel bon petit... Quel blagueur, c'est. Quel blagueur, ce Francky. C'est vraiment... Putain, mais il n'y a pas eu de changement, là, encore. Bah non, c'est justement que je ne veux pas qu'il y ait de changement. S'il y a un changement, c'est parce qu'il y aura but. Ok, désolé. ça partait vraiment d'une bonne intention, tu sais. Le truc, j'étais trop... Oh, moi, j'ai fait le changement. À la 88e, c'est oui. Très productif, ce que tu fais. Nécessaire. Tu vas voir quand la VD va te mettre un but. Ok. Oh putain, il est blessé, Di Maria, je sais pas ce qu'il a. Merde, on marque plus à gauche. Pourquoi il change de sens ses goals aussi, putain? Non, il faut le chier, quoi. Allez, Herrera! Merde. Pousse trop loin, là, Ezekiel! Autant Herrera, par contre, il est très très bien fait. Ouais, il est très bon. Il est très bon aussi. Mais bon, voilà. Comme on dit, ça peut être maintenant un film porno, Manchester, avec Di Maria, Falcao, Rooney devant, Van Persie, tout ce que tu veux. Autant derrière. Ouais. Et non, mais c'est... C'est surtout que voilà, perdre 5-3 face au Leicester avec cette compo, ça c'est horrible.
Mais il est content. Putain, c'est la fin du match. Bravo. Ouais, c'est passé vite. Bravo, Flo. Merci. Je te sers la paluche. IRL. IRL. TMTC. TMTC, ma gueule. LOL. LOL. XPTDR. Quel match de merde, en vrai. J'avoue. Putain. Mais bon, au moins, voilà, ça permet de voir. T'as vu quand même le ralenti. Je trouve que niveau graphisme, ça a été aussi bougé un peu. Ouais, ouais, bah c'est. Elle partait bien, elle partait d'un bon sens de balle aussi. Putain, ouais, mais on a vu quand même que devant le but, c'est pas facile de marquer. Enfin, un but de la tête de merde. Et on a vu un magnifique saut de lapin de Derrea, c'était magnifique, c'était très beau. Parce qu'il y a eu pas mal, il y a eu pas mal d'actions. Derrea mieux fait aussi, parce qu'avant, mon dieu, qu'est-ce qu'il était moche. Ouais. Regarde aussi le dans les tribunes, le public. Oh, le tirage de maillot, fait. Alors qu'il le tient entre ses deux phalanges. Ouais, regarde, laisse. Regarde, Evans, il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Oh, c'était le poteau que je t'ai mis. T'as eu peur là. J'ai senti, tu étais fébrile là. J'ai jamais peur. T'as jamais peur? Autant pour moi, désolé. Désolé. Bon, mais écoutez. Les tribunes sont vachement bien faites, les supporters. J'avoue. J'étais impressionné d'ailleurs par l'Alliance Arena. Ouais. Enfin bref. J'espère que tout le monde aura apprécié cette vidéo en ta sublime compagnie. Moi, je ne m'en lasse jamais en tout cas. Je suis là pour encore longtemps, t'inquiète pas. Ah, merci. Ça me rassure, je vais encore prendre des dérouillés pendant bien longtemps. J'adore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Florentine pour m'avoir accompagné. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée, peu importe quand est-ce que vous la regardez. A très bientôt pour une prochaine vidéo. A ciao tout le monde!